Dans une prison où deux gardiens enfermés par blagues de très mauvais goût va fort mal tourner. Qui t'ouvre. Hein. Ouvrez-moi! Pas moi. Mais déconne là. C'est pas vrai. Il y a quelqu'un qui m'entend? Ouvrez-moi! Ça vous amuse de faire ça? Un jour, il y a un collègue qui a confisqué des vêtements au parloir. Alors ils se sont dit qu'ils allaient en faire quelque chose. C'est là que le jour de l'an déguisé a été instauré. Ouais. Je me souviens, c'était un an après, je crois. Il y a un nouveau, il s'est laissé enfermer tout seul, sans faire exprès, dans une cellule du deuxième étage. Et comme il était déguisé, les collègues l'ont laissé enfermer toute la nuit. Alors depuis, on en déguise deux. Mais les chefs sont pas au courant. Tiens, Michel, une bonne année. Merci. Toi, tu dis rien. C'était pas mon idée. Se faire déguiser, j'avais du mal à comprendre. Mais se faire enfermer. Mais merde, Michel, on n'est pas là pour ça. Avant, je trouvais ça marrant, mais j'avais jamais essayé. Dors, ça passera plus vite.
C'est tout fic. Aide-moi. Préviens Charles. Pas de Charles ici. Charles, c'est le surveillant en chef. Tu peux lui faire confiance. Il est réglo. T'es nouveau ? Il tabasse des gars. Il paraît qu'ils font un concours. Mon pote de cellule a été emmené depuis plus de 2 heures. Appelle Charles. T'as ma parole, je te voudrais ça. Qu'est-ce que tu fais ? Tu connais Charles ? Ça se pourrait. Il est où ? J'en sais rien. Dis-moi où il est. Il travaille pas ce soir. Donne-moi ça ! Donne ! Il tabasse des gars. Préviens Charles. Mais qu'est-ce qu'il te prend ? Tu sais bien que c'est interdit. Michel, on n'a pas le droit de faire ça. Surveillant ! On sort ? Ah, t'as raison, on peut pas laisser faire ça. Bah alors ? Mais non, mais... C'est toi qui fous la merde ? On vous a interrompu en plein jeu, hein ? Tu veux jouer avec nous ? Non merci, c'est pas mon truc. Je ne demande pas ton avis.
Et Toufik, tu l'as demandé? Quoi? Il te manque, ton pote? Oh, ça va pas? Connard. Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire, là? Bah alors, on saigne? Ah non, mais... Bonne année! Bonne... Putain, t'es con, c'est le nouveau! Vous me changez de cellule, j'ai rien fait, moi. Monsieur? Surveillant? Ça s'est passé à quelle heure? 2 ou 3 heures. Pourquoi vous l'avez laissé seul? On lui avait demandé de ramener le détenu au bloc B. On ne sait pas pourquoi il est venu dans cette cellule vide. Il n'avait pas dû intégrer les consignes de sécurité. Qui était son tuteur? Michel Basset, monsieur le directeur. Très bien, je vais le voir. Pas dans l'immédiat. Il a pris quelques jours de congé. Vous comprenez, il était sous le choc. Je comprends. Je fais placer le coupable en cellule d'isolement en attendant son jugement. Je dois rendre mon rapport cet après-midi. Pas un mot tant que c'est pas réglé. J'ai pas envie d'avoir la presse sur le dos.